Salut tout le monde, c'est Krong, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis en compagnie de Natsu et de Ezor. Salut les gars. Salut Krong, salut Ezor, salut tout le monde. Ezor il a l'air motivé, salut. Ça commence vraiment bien, oui. Non, je rigole, ça va super bien. Donc voilà, notre deuxième petite vidéo ensemble. Hein. Et oui, ça faisait, j'avais vraiment envie d'en refaire. Ça faisait un petit moment quand même. Et franchement, on va avoir du tout au tout, hein, parce qu'après un super jeu qui était Amnesia, on va passer à un super jeu qui est un petit peu moins bien, pour moi. Ouais, mais c'est bon. Un jeu fun pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc, c'est un jeu très fun. Donc on va commencer, c'est qui va dire le jeu? C'est Ezor, vu que c'est lui qui a sélectionné le jeu. Ezor. D'accord, ben. Donc je sais pas si pour certains des nombres d'abonnés, enfin des miens et de ceux de Natsu et Kronk connaissent, c'est Happy Wheels. Donc c'est un jeu fun, délire, vraiment fun, hein. C'est juste vraiment pour se prendre des barres, pas pour autre chose, hein. On cherche pas un jeu comme Assassin's Creed 3 ou un autre. Oulala, là là, non. Loin de là. On est plus proche du Pong qu'autre chose. Ouais. Non, c'est surtout un jeu fun pour passer un petit peu de temps comme ça, si on a rien à faire durant la journée, et on peut bien rigoler sur ce jeu, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai. Donc, ça c'est sûr. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on s'éclate bien. On va commencer par la fiche présentation et ouais, vas-y. Donc il n'y a pas de très, ça va pas être une longue fiche de présentation, elle va être très très courte. Donc le jeu, comme a dit Ezor, c'est Happy Wheels. Il est sur un navigateur internet. Donc sur n'importe lequel, hein, c'est un jeu flash. Un jeu flash, oui. Ouais, le développeur, c'est Total Joke Face. Littéralement, Joke Face, c'est un peu tronche de cake. Bon, bref, vous avez compris. C'est un jeu de type course, Die and Retry, 1, 2, 3. Et je conseillerais le jeu aux joueurs de 12 et plus, parce qu'il est un peu trash. Et bon, ouais. Après... Ouais, trash, mais bon, c'est gentillet, quoi. Gentillet, après, si tu arrives dans des niveaux un peu gore, où ça coupe pas mal, oui, je préférerais 12 et plus, ouais. Ouais. Allez, 10 et plus, quoi. Quoique, maintenant, tu sais, maintenant, les jeunes, ils sont beaucoup plus en avance que nous avant. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, après, à voir selon les joueurs. Bon, c'est à tester. Ouais. À tester, oui. Tester. De toute façon, le lien sera dans la description, il n'y a pas de problème. C'est un jeu flash, donc il n'y aura, hein, aura pas à télécharger. Il n'y a rien à télécharger, rien à payer. C'est gratuit. Alors, vos premières impressions, Kronk. Et... ça a été une visite n'importe quoi cette vidéo. Je le sens. Alors, moi, les premières impressions, on m'a dit Happy Wheels. Pour tout dire, je m'attendais à un jeu PC. Mais un jeu PC, hein, pas un jeu flash. Hein. Après, Ezor m'a dit tiens, c'est les liens, va jouer. J'ai fait oh putain. Bon. Okay. Bah ouais, je me suis dit, Natsu m'a dit sors-moi un jeu fun et tout, un truc sympa et tout. J'ai fait d'accord, bon, mais je vais te sortir le jeu. Non, mais franchement, tu sais qu'en plus, j'avais vu des vidéos sur internet de jeux et je trouvais pas le nom. Et je suis retombé dessus, donc j'ai quand même kiffé. Au premier abord, j'ai vraiment kiffé, j'étais content de le retrouver, le jeu. Ouais, franchement, quand, première impression, elle était bonne. Ma première impression sur ce jeu-là, elle était bonne. Parce que je me suis dit, c'est un jeu, je vais m'éclater, tu t'en fous, quoi. Tu roules, c'est d'aller le plus loin possible, et tu t'éclates, quoi. Même des fois, tu t'amuses à te tuer pour voir comment t'amuses à t'éclater, justement, littéralement. Bon. Ah oui, tu te démembres, c'est vraiment dégueulasse. Ezor, c'est quoi tes premières impressions? Alors pour le début, ce qui j'ai vraiment galéré, c'est pour les touches, pour savoir comment avancer, ça c'est vraiment galère, car au départ on pense pouvoir avancer avec la touche Z, tu sais, comme on peut jouer sur Counter-Strike, enfin pour les jeux habituels, Minecraft, tout ça, on avance avec Z, Q à droite et D, Q à gauche et D à droite, et en fait pas du tout, c'est avec les flèches, et Z ça permet de s'éjecter, enfin il y a des touches qui sont un peu compliquées. On va dire pour la manipulation, c'est un peu quand même galère. Ça, pour ça, j'ai pas le contraire. C'est un peu galère. Mais après, pour le reste, moi, j'ai bien aimé. Ça dépend. Vu que c'est des fois, la plupart du temps, c'est des terrains qui sont créés par des joueurs. Parce que dès qu'on crée, par exemple, un terrain, il est directement mis en ligne et d'autres personnes peuvent le tester et même l'évaluer. Donc ça, ça peut être pas mal. Et bon, après voilà, c'est un peu galère, et des moments tu peux passer par exemple 5 minutes à chercher des terrains qui peuvent être jouables alors que d'autres ne le sont pas du tout, donc ça c'est un peu embêtant, mais sinon pour moi
Le plus dur, c'était pour moi, c'était la jouabilité. Mais après, pour le Ouais. reste, ça a été. toute façon, ça, ouais, c'est... on en reparlera un petit peu après les graphismes. Ouais. Mais toi, Nat, Donc donne-moi tes moi, impressions. oui, les premières impressions, c'est quand même un peu cronk. Ce jeu fait un grand fureur, mais il fait un carton complet aux États-Unis. De grands, grands youtubeurs, comme le responsable de Machinima, je crois, se tapent, mais littéralement des barres sur ce jeu. Il en fait des séries, limite. Il joue quasiment 1 heure par semaine, tellement qu'il aime ce jeu. Je crois que ce jeu a fait vraiment le tour des États-Unis et un peu le tour du monde. Ouais. Il n'a pas eu autant d'impact en France et en Europe. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Aux États-Unis, il a quasiment autant d'impact que les débuts de Angry Birds, par exemple. D'accord. Donc, ça m'a, quand Ezor m'avait proposé ce jeu, je me suis dit. Mais why not? C'est pas un jeu qu'on voit souvent ici tester, Oui, donc c'est pour ça Ah que je me bah suis c'est dit sûr, pourquoi pas. ouais. Et c'était une bonne initiative Ouais. parce que c'est un très bon jeu et enfin très bon jeu, mais un très bon jeu développé par C'est un jeu délire, c'est on peut un vraiment très s'y bon perdre. jeu Flash, je trouve. C'est pas ouais, il y a des excellents jeux Flash, mais là ça Je pense que j'en proposerai un à la fin de la vidéo. Ok, pas de Un jeu souci. qui me plaît niveau Flash. Non, mais Flash. ça reste un bon jeu, un bon jeu assez ludique, non, mais assez Bon, c'est monde, pour se ouais, défouler, quoi. trash et marrant. Je Voilà, c'est pour dirais du voilà. trash XD quoi, du gore XD quoi. Donc Ouais. ouais, C'est un c'est un peu dans ce monde-là, dans un monde Happy assez Feet, les trucs voilà. comme ça là. Et exactement. Dessins animés. South Park, une humour assez trash et je trouve ça pas mal. Je trouve que ça correspond bien à un concept. Ils ont bien géré le concept. Ils sont bien allés jusqu'à fond. En parlant de concept, bah, je vous laisse commencer. Je te laisse commencer par un petit mot, Ezor, et Kronk qui donnera sa notation. Ezor. Donc tu veux que je dise un petit peu ce que j'ai, En est-ce concept. que j'aime ou pas Sur le le concept, concept, c'est ça? ouais. Le concept pour moi, non, il est sympa. Bon après c'est des trajets comme ça, c'était déjà fait depuis, enfin maintes et maintes fois, avec par exemple des motos, je sais pas si vous voulez des trials, le trial c'est un peu du même Ouais, style, le faut trial, donc je veux dire. essayer d'éviter En moins des, trash, ouais en moins voilà, mais trash, en mais... version trash quoi. Donc ça Ouais. j'ai bien aimé parce que ça change un petit peu. Et franchement, je rigole bien dessus et c'est vraiment super sympa. Et non, pour moi, le concept, bah déjà, je pense qu'il a été Il est bon, quoi. approuvé dans la plupart, pour la plupart des personnes. Et non, pour moi, je trouve que c'est vraiment super sympa. On peut bien passer du temps entre potes ou quoi pour délirer sur ce jeu. C'est vraiment super sympa. Ouais. Bah ouais, moi je te rejoins sur ce point-là, je vais à peine en rajouter. Parce que le concept, comme tu dis, on avait des jeux du même style, mais jamais gore. Donc c'était soit on avait du gore, soit on avait du jeu type trial. Donc là, ça allie les deux. C'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de plaisir. Je le trouve un petit peu moins maniable qu'un jeu de trial. Oui, ouais. Parce que c'est ce qu'on cherche au début. Moi personnellement, quand j'ai commencé le jeu, je cherchais vraiment la même jouabilité qu'un jeu de trial. Et donc je galère un petit peu justement à avancer gauche-droite. D'ailleurs, les touches gauche-droite ne servent à rien, je crois. Non. C'est vraiment pour se diriger, c'est un petit peu inutile. Mais sinon, ouais, niveau concept, moi j'ai mis 8 sur 10 parce que je trouve que vraiment, on voit pas ça partout, quoi. Franchement, on voit pas ça partout. Oui, ça c'est Ça sûr que c'est. ce genre de jeu, c'est le premier que je vois comme ça, quoi. Donc, Ouais, après, c'est il y en a sûr. peut-être d'autres, hein, parce qu'on connaît, que je connais pas tous les jeux qu'il y a sur Internet. Il y en a, je pense, de ce Pas genre, mais forcément, un petit peu différents, mais qu'on connaît pas. Ils sont pas encore. oui. Mais ouais, le seul que je connais pour le moment, Bah, c'est comme lui celui-là. commence à être connu, Oui, ouais. il est mis en avant, quoi, c'est normal. Ça, Moi, c'est je sûr. Hein. trouve. Bah, tu n'as pas donné ta note, Kronk, tu as mis combien Si, sur si, j'ai 10? dit 8 sur Ah, 8 10. sur 10, ok. 8 Bah, j'ai mis sur 9,5 ce. sur 10 parce que 9,5 c'est peut-être un peu over par rapport à ce que je note d'habitude. D'habitude, je suis plus sévère, mais c'est un peu pour encourager les développeurs de ce genre hein, parce que des développeurs qui sont petits, qui n'ont pas vraiment les moyens, qui font du C++ ou du Java assez basique, mais qui arrivent à trouver le concept qu'il faut pour faire tenir les Pour joueurs. attirer les gens, quoi. En plus de ça, j'adore tout ce qui est communautaire. Ça, c'est un jeu communautaire. Pourquoi Little Big Planet fait autant fureur? C'est qu'on peut faire nos propres Nos propres circuits, niveaux, bah, bien propres sûr, niveaux. oui, ça c'est pas mal ça. Et ça, c'est un concept qui a été repris, qui est de plus en plus repris dans les jeux vidéo.
Je Oui, trouve comme que Skate 3, ouais, un truc comme Skate ça. aussi. Je trouve que ça c'est un bon concept qu'il faudrait encore plus développer, qu'il ne faut pas abandonner. Et donc c'est juste une notation pour encourager les développeurs de ce genre. Il y a des développeurs français aussi qui sont Allez, allez. talentueux, qui ne sont pas encore assez vus. D'ailleurs, Oui. dans les co Oh, comme on a pu le voir avec le magnifique Ellie, un Hell Yeah qu'on a pu avec qu'on a Arcado testé qui était excellent. pas très longtemps, quoi. Ouais, Ouais. mais d'ailleurs, si vous avez des jeux Flash à proposer en commentaire, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez surtout pas. Ouais. N'hésitez Vous pouvez y surtout aller. pas. Il n'y a pas de problème. Ce genre de développeur pourrait être contacté par des grands joueurs, par des grands des éditeurs qui pourront host et financer peut-être des futurs bons jeux, Pourquoi pas quoi. même des applications iPad, iPod, Oui, iPhone, aussi, mais des applications Android, même des quoi. futurs bons jeux, parce que c'est pas qu'ils codent très mal et que le jeu est très binaire sur celui-là, qui va être très binaire dans le futur avec une avec s'ils ont les Ouais. moyens avec un moteur graphique, pourquoi pas, ils Oui, peuvent faire quelque ils chose de pousseront les bien. choses, Donc c'est sûr. c'est juste pour encourager. Et c'est un très bon point d'avoir allié du Gore XD. Ouais, pour ça, c'est vrai, ça, j'aime bien. Ouais. Donc Et j'aimerais bravo. bien aussi que... Vas-y, continue, Non, non, allez, excuse-moi. vas-y. Allez, J'aimerais vas-y. bien qu'on puisse créer ce genre de... Enfin, des terrains sur le Slender. Ça, je trouve que ça serait vraiment sympa qu'on puisse créer sa Ah ouais? map. Et qu'après on puisse en multijoueur, que d'autres personnes puissent les tester, tout ça. Le problème, c'est que Slender, comme c'est de la 3D, Et ouais, je pense voilà. que c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Parce que là, Malheureusement, comme ouais. on disait, là on peut créer nos niveaux dans ce jeu-là, donc ce qui est vraiment sympathique, même si c'est ultra compliqué. Enfin, ça a l'air plutôt complexe au niveau de la création de niveaux. Little Big Planet, c'est simplissime de créer un niveau, et franchement, c'est jouissif, on s'éclate à créer des niveaux. Mais c'est que ça reste que de la 2D, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors que franchement, créer un niveau en 3D, je pense que ça serait Et vraiment, oui. vraiment galère et long, très long. Donc, Malheureusement, ouais. bon, ça serait bien que quelqu'un fasse un truc comme ça. Je pense qu'il y a sûrement des jeux, on peut créer des niveaux en Oui, 3D. bah oui. Mais faut vraiment être hardcore Ou gamer sinon, pour il vraiment faut être se aidé passer et là-dedans. avoir une plateforme assez ludique et simple. Ouais, voilà, ouais. Ah, il faut avoir l'argent après pour pouvoir. Quoique, tu vas me dire. Ouais, non, j'allais te parler de Trackmania Nation. C'est ce que j'allais On dire peut aussi. créer nos, ou on peut créer nos circuits, mais bon, comme c'est des circuits, c'est moins compliqué, quoi. C'est beaucoup C'est moins moins compliqué complexe. même si c'est en 3D. Ouais. Ouais. Donc, Donc quand même, tu une peux, petite vu que tu as idée. parlé de 3D et de graphisme, continue sur le On va parler graphisme. un peu de graphisme. Moi, personnellement, j'ai mis 3 sur 5. Alors, le jeu est basique, franchement, très très basique, parce que c'est créé à partir de formes, donc c'est que des formes, hein. Qui vous feront un monde. Mais moi, ce que j'adore, c'est les personnages, quoi. Je les trouve vraiment bien, bien foutus, les Je personnages. suis Et complètement d'accord. ils sont tripants, quoi. Donc moi, enfin, je mets 3 sur 5 juste pour ça. Juste pour les personnages. Et moi j'ai mis Voilà. 2 Et sur toi, pour toi, 5 pour les Natsu? personnages. Ouais, j'ai mis 2 sur 5 pour les personnages. J'étais pas aussi gentil que Kronk, mais je le trouve assez coloré, sympathique. Ce monde co correspond Ouais. bien au concept, hein. Ils en ont pas trop rajouté. Ils ont pas fait quelque chose de vraiment gore, sinistre, etc. Donc c'est assez lumineux, c'est assez propre, c'est assez couleur pastel. Ça fait un peu cartoon, donc les joueurs ne se prennent pas au sérieux. C'est pour ça qu'il pourrait être assez accessible aux plus jeunes. Donc je trouve ça un bon concept. Les couleurs, ça a beaucoup aidé. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5. Mais après, c'est pas transcendant, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est pas transcendant du tout. Ah Hein. Même bah, pour un non, jeu, c'est pas, c'est un jeu flash, hein. même pour un jeu C'est un jeu Flash, flash, c'est hein. assez limité. Parce qu'il y a des jeux Flash Ouais, c'est qui vrai. sont très jolis. Là, je suis d'accord. Surtout dans les point Oui. and click. Dofus, c'est Là, je suis parti d'accord. d'un jeu flash, hein. Ouais. Comment? Dofus, c'est parti au départ d'un jeu flash, hein. Et les gens leur disaient, mais c'est complètement fou, vous allez pas faire Dofus sur un jeu flash, c'est n'importe quoi. Et ils l'ont quand même Je fait, et savais pas ça. ça a plutôt bien marché, hein. Enfin, les graphismes, ça, au départ, c'était au début, c'était pas trop mal. Bah Et maintenant, maintenant. vous avez vu, t'as vu Ah oui, commencer. mais ça. C'est Niveau niveau pour ça graphisme, qu'il c'est faut excellent, développer quoi. ce genre de jeu. Ouais. Ça Ouais. évite de télécharger le jeu, l'installer. Ce qui peut être un peu embêtant à chaque fois, alors que là on peut directement le tester, et ça je trouve que ça peut être vraiment assez. Je pense que c'est une idée à développer et avoir un truc qui peut vraiment être sympa pour ça. Faut pas pousser le jeu au niveau du graphisme, pourquoi pas. Ouais. Qui pourrait être sympa. Vraiment sympa. Donc côté jouabilité et gameplay, moi et Kronk, on a décidé d'assembler les deux. Ouais, voilà, on va faire une note sur 15. Parce que franchement,
distinguer jouabilité de gameplay sur un jeu comme ça, un jeu flash, c'est un ah bah peu oui, complexe. Franchement, ouais, moi j'ai mis 7,5 sur 15, donc la moitié. Ouais, j'ai mis 8 sur 15, je suis pas très loin. Parce que, ouais, parce que moi je vais rejoindre réellement Ezor, ce qu'il a dit au début. Je suis arrivé dans le jeu, donc il avait écrit en bas à gauche, alors les touches, donc tac tac tac, CTRL, SHIFT, ALT, Z et tout le bordel. Oui. Moi je faisais OK, sauf que chaque touche. Attends, faut que je me remette sur le site, c'était trop marrant. Ah, sa particularité quoi, il y a une touche pour s'éjecter. Bah oui. Chaque touche, non voilà, chaque touche s'appelle Other Actions. Four. Donc Other Actions, Space c'est Main Actions, t'as Z qui veut dire Eject. Bon, donc toutes les touches ça veut dire Action et Éjecter. Donc bon, Action, je sais pas trop ce que ça veut dire quoi. Je suis arrivé dans le jeu, j'ai rien figé, donc déjà je savais même pas comment avancer, je galérais. Et après j'ai testé les touches et j'ai vu que ça permet peut-être de pas faire grand chose en fait. Hein. Moi personnellement, j'ai pas réussi à faire grand chose avec les touches, à part la touche espace qui nous permet de sauter ou de booster, enfin ça dépend du véhicule qu'on a. Mais niveau jouabilité, je l'ai trouvé un petit peu casse-gueule au début. Il faut vraiment passer 5-10 minutes afin de vraiment bien comprendre. Mmh. Et après, bah après voilà, ça roule. Hein. Le jeu est assez basique au final. Mmh, mais au début, j'ai trouvé ça vraiment galère. Donc pour moi c'est vrai, c'est un petit peu dommage, c'est surtout le point le plus faible du jeu que je trouve qui est vraiment dommage, c'est la jouabilité. Après pour le reste je trouve ça plutôt cool, mais voilà, pour la jouabilité c'est vraiment dommage. Ouais, ouais, et je vais pas encore en rajouter, hein. J'ai mis 8 sur 15, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Kronk et Zor. Difficulté d'entrée de jeu, on comprend pas. Là, on peut dire d'entrée de jeu, c'est pas pour rien. C'est un beau, une belle expression pour parler d'entrée de jeu. On rentre dans le jeu, on comprend rien. On se dit, c'est quoi Other Action? C'est pourquoi on utilise Other Action? C'est interactivité sur les par rapport à l'environnement ou pas? Mais c'est difficile. Après, espace, je m'en suis un peu rendu compte parce que bon. Les jeux de ce type sont souvent avec espace, donc j'avais bien compris qu'espace, il fallait tellement taper espace qu'il doit être resté quasiment enfoncé. Donc j'avais bien compris que espace était quelque chose qui allait permettre de la sauter. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et je vais enchaîner en termes de scénario et en termes de scénario, il y a pas de scénario. Hein. D'histoire. Hein. J'aurais mis. Alors oui, le jeu, ce qu'il faut savoir, ouais, c'est qu'il est dénué de toute histoire. Il y a pas d'histoire. On dirait que c'est des mondes. Enfin, dénué de toute histoire, oui et non, parce que chaque niveau peut avoir son histoire. C'est vrai, mais vu que c'est le seul point, c'est qu'il est développé par des. Il peut être. Il y a des niveaux pour. Il y a des niveaux qui peuvent être développés par la communauté, donc ça allonge la durée oui, du voilà, jeu. Ouais. Et c'est justement pour ça que j'ai mis. Limitée. Ouais, c'est justement pour ça que j'ai mis 1,5. Car dans et 15 des fois, ans. Il peut y avoir des quêtes. Hein. Ouais, c'est vrai. Il peut y avoir des quêtes. Des quêtes. D'un certain niveau, par exemple, tu commences au début. J'avais fait un niveau. En fait, il y avait un homme blessé. Il demandait, faut que tu ailles chercher le. Un docteur dans la savane, donc après il fallait que je traverse tout, enfin un environnement un peu bizarre. Il fallait que je reparte dans le temps des dinosaures, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et enfin j'avais une quête et tout, il fallait que je traverse des obstacles. Et après il fallait trouver ce fameux docteur, et enfin voilà, c'était le seul niveau où il fallait vraiment faire une quête après. D'accord. C'est le seul niveau, donc après oui, des fois il ouais, pense qu'il doit y en avoir d'autres. Sur une petite histoire, ouais bien sûr. Parce que j'ai pas tout essayé encore, je garde un petit peu le mystère parce que j'ai envie de faire des vidéos dessus, je pense. Ça peut être sympa, mais je teste pas tout encore, donc je verrai peut-être par la suite. Bah moi, au niveau de l'histoire scénario, j'ai mis 3,5 sur 5. Bah, je te rejoins là-dessus, on peut créer des niveaux, tout le monde peut créer un niveau, et peut forcément y ajouter une histoire. Donc après, c'est sûr que des histoires, il y en aura, j'imagine. Et c'est justement pour ça, pour ça que je mets 3,5, parce que rien que le fait qu'on puisse créer un niveau, et que les gens puissent voilà, créer leur raconter propre ce histoire. Qu'ils veulent, vraiment rajouter leur délire, ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympathique. Mais après, c'est là que tu soulèves problème, un point, c'est que... vrai qu'on peut quasiment, si toi tu veux raconter des histoires en faisant plusieurs de tes circuits, tu peux raconter ta propre histoire et moi la mienne. Donc ouais, c'est vrai que ça pourrait allonger. Oui voilà, parce que dans les histoires, dans le mode éditeur, on peut donc créer son niveau et on peut rajouter des textes. Donc c'est-à-dire qu'on peut créer des personnages et leur mettre des bulles de texte, mettre une pancarte avec un texte dessus indiquant telle ou telle chose. Donc ouais, c'est vraiment, je trouve ça pas trop mal fait. Franchement, à ce niveau-là, je trouve ça bien. Après, le mode éditeur, je le trouve un petit peu hardcore. Mais sinon, c'est pas mal. Tu peux enchaîner par la musique, parce que est-ce que dans le mode éditeur que j'ai pas vraiment pu parcourir,
Est-ce qu'il y a un moyen de rajouter de la musique? Je crois pas, non? Alors, je regarde en ce moment même et non. Non, Non. joue. Prison, ta, ta, ta. Non, on peut pas mettre de musique. C'est le Il y en a. gros point négatif de ce jeu, malheureusement. Ouais, on peut pas mettre de musique, il n'y en a pas non Non, plus dans le jeu. malheureusement, non. Enfin, il n'y a qu'une musique, c'est au début du jeu, Ouais. qui est sympa. Moi, je l'aime bien, la Elle est musique du marrante. début. Mais après, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage, j'aurais pensé que. Enfin, si, il y a des niveaux, je crois qu'il y en a. J'avais regardé un petit peu des vidéos, il y a des niveaux, il y en a. Mais c'est rare, faut les trouver et c'est pas tout le temps. Donc, ça, c'est T'es un sûr que petit c'est pas peu. plutôt rajouté par-dessus pour la Et ça, vidéo? je sais pas Ah du ouais? tout si c'est. Et je crois pas justement parce que. Ben non, c'est pas rajouté par-dessus la vidéo. J'avais une vidéo, il y avait un mec qui avait fait une. Justement, un niveau, il y avait la musique et tout, il était à fond dedans et tout. Donc, non, je crois que la vidéo, la musique, Donc on peut c'était ajouter la pas lui musique. qui l'avait rajouté. D'accord. Donc ouais, bon voilà, c'est une bonne chose. Après, moi j'ai mis 1 sur... Je crois que j'ai mis 1 sur 5, Idem, j'ai pour mis cette aussi 1 sur fois-ci. 5 parce que c'est Ouais, j'ai les mis 1 sons sur sont 5 parce que binaires. bon, c'est... voilà, c'est très, 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 très... Trivial. Très... On va s'arrêter à trivial. trop peu. Voilà, c'est très trivial. Quoi. C'est Non, vrai. c'est vraiment... C'est trop peu. Trop peu. Ouais, c'est vraiment, 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 vraiment limité parce que Angry Birds, c'est très statique, mais écoutez la musique derrière, elle est très marrante. Non, la musique elle est Elle épique. est, Angry Birds, justement, elle c'est est ce qui épique. attire dans ce jeu, donc Ouais. Attends, elle a été jouée par le Philharmonique de Londres ou de Berlin, Et ouais, cette c'est musique-là. pas pour rien, Ouais, et c'est donc énorme, hein. c'est pas rien, ouais, quoi. c'est pas rien, mais même dans quasiment tous les mini-jeux, ils essayent de rajouter une musique, et là, il n'y a pas de bande son, donc je vous Bah, conseillerais ce qu'il de... faut savoir, c'est qu'en général, la musique dans un jeu, c'est ce qui fait durer le jeu dans le temps. Je vais te siffler la musique de Tetris. Voilà, tu vas te dire Tetris, tu vois. C'est Je vais ça, te c'est... Eh siffler la oui, musique de Zelda. Mario. Zelda, exactement, tu vois. Les musiques, c'est quelque chose qui, Qui commence à voilà, prendre une qui, quand tu vas identité, entendre la il musique, y a une siffler la identité, musique, oui. c'est vraiment une identité. Voilà, tu mets, t'as une identité avec la musique. Ouais, et ça, c'est Donc c'est pour ça vraiment qu'une dommage, musique ouais. sur un jeu, c'est, C'est il faut une indispensable. musique, quoi. Ouais, franchement, il faut une musique pour un jeu. Et peut-être Et là, qu'au c'est fur et à dommage. mesure des mises à jour ou au développement, Ah ils vont les oui. mettre peut-être, hein, j'espère ça. Avec un J'en peu de suis succès, sûr. pourquoi pas, oui. Ouais. Donc, Là, je pense que c'est même sûr. ouais. Bah, Ezor, on va le laisser terminer avec l'ambiance générale du jeu et le ressenti, ta note sur 10. Alors, pour moi, l'ambiance générale, comme tu dis, pour moi j'ai mis 9 sur 10, parce que franchement, elle y est, j'adore. Franchement, je me tape de vrais barres sur ce jeu, et je pense que je vais continuer à en prendre. Et voilà, donc pour moi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé le jeu. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus le jeu de l'année, mais voilà, on peut vraiment rigoler, même avec ses potes, tout ça. C'est vraiment énorme. Franchement, je me suis bien éclaté. Pour ça, ouais. Y suis arrivé. Non, ça va. Alors, moi perso, je vais être moins optimiste que toi, Hazard. J'ai mis 2 sur 5 pour l'ambiance générale, donc au début je partais vraiment content d'avoir retrouvé le jeu que je cherchais. Et au final, en fait, il était tellement. J'ai tellement galéré au début que ça m'a limite coupé mon plaisir. Donc je me suis dit que. Attends, foiré, <ouais. rire> Ça m'a coupé mon envie. Oui. Oui, Et. t'en as envie de. De jouer. Il faut pas que je regarde mon écran parce que Ezor me raconte des trucs coquinous en même temps. Et donc ça a coupé mon envie de jouer et au final, voilà, je l'ai trouvé lassant, un petit peu barbant le jeu. Et ça m'est arrivé aussi, j'ai oublié de le dire, t'as bien fait de le dire, ça m'est arrivé des fois que ça me saoule parce que je restais bloqué à avancer. Et même vous verrez dans la vidéo, il y a des moments où je rage, même sans m'entendre parler. Des moments, je rage, j'appuie 50 fois sur la même touche parce que j'arrive pas à avancer et ça, c'est un peu embêtant des fois pour moi. C'est pour ça que j'ai pas Ouais. mis 10. J'ai mis 9 et encore, je suis gentil, j'aurais pu mettre un peu plus bas pour ça. T'as été gentil. Ouais, j'ai été gentil, brave. Ok, toi, Natsu, t'en penses quoi du Moi, jeu? j'ai mis. En fait, je suis entre vous deux. J'ai pas mis la note maximale. J'ai pas mis une note inférieure à 2. Inférieure à la moyenne. J'ai mis 3,5. En gros, je vais essayer de relier un peu les deux et de faire. C'est pas possible, tu es vilain, Juste mon petit milieu. Ezor. Non, c'est pas 3,5 Foiré. euros, mais 3,5 sur 5. Ce jeu est très entraînant et vachement marrant.
mais il faudrait vraiment encore le développer. Je pense que pour moi c'est un jeu 1.0 et il faudrait le ramener à 3. Putain, mais Ezor, il arrête pas, il fait des conneries. Ah non, mais Ezor est un vilain garçon, ça il faut, si vous avez le screen, vous verrez. Mais si, Mathieu, je t'aime. Non, mais je te rejoins sur cette idée, t'avais raison pour non, pour ça me paraît dommage. C'est un peu dommage, mais moi je dirais que vous mettez le casque dans vos oreilles, vous jouez un peu avec une belle musique derrière, un peu marrante. Je pense que ce jeu pourrait durer, on va pas dire 2 heures, mais peut-être 1 heure, si vous délirez bien. Voilà, il joue un petit peu. Ouais, et après, comme ça. Ça pourrait être marrant, ça pourrait vous sortir du train-train de Dofus ou du train-train de Call of. Ça peut être. Je suis d'accord. Après, moi, comme je le disais au début, je vais vous suggérer un petit truc. En jeu Flash, alors que quand j'étais plus jeune, personnellement, quand j'avais pas la PlayStation encore, j'étais pas mal sur le PC et les jeux Flash, je les saignais. Parce que c'était la grande mode avant, en cours, qu'on allait en cours d'informatique, on mettait tout sur les PC, sur Internet, et on avait nos jeux Flash sur, ouais, les clés, et c'était que ça, quoi. Et on avait nos petits concours. Et ça sent la connerie. Parce que je vois que Heather est en train d'écrire. J'y crie pas, je vous écoute. Ouais. Et au final, moi je jouais beaucoup à un jeu, c'était Line Rider. Donc, je pense que vous le connaissez. Non, pas celui-là. Alors Line Rider, je vais vous mettre un lien dans la description. Si tu le trouves. Qui est un jeu excellentissime, réellement, très très addictif. En fait, c'est un jeu avec un pingouin sur une luge et on va dessiner avec la souris son chemin. Et en fait, il va descendre. Et en fait, lui, il va juste tomber. Et il va suivre les courbes que vous tracez. Ouais. Attends, faut quand même que je le dise. Tu aimes les jardins, les petits, les grands, les moyens. Alors contacte Jean-Paul le maraîcher, il te plantera sa première graine. Ça, c'est une autre encore, comme d'habitude. Non, c'est Ezor qui vient de sortir cette petite bourde. Donc, merci Ezor. Donc au final, Line Rider est vraiment un jeu excellent. Et je vous conseille d'aller voir même sur YouTube. Hein, vous tapez Line Rider et vous allez tomber sur des mecs qui créent des circuits. Parce que tu crées ton circuit. Et en parallèle, tu peux créer avec une couleur, une autre couleur. Ça restera noir, mais la couleur c'est vert dans le jeu, vous allez voir. Qui permet en fait au pingouin de ne pas se bouffer les. C'est censé être un mur, mais il passe au travers. Et là, on peut créer un décor. Et je vous jure que c'est magnifique. Il y en a qui font des trucs, mais incroyables. Donc Line Rider, c'est pour moi. Ça, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. En jeu Flash que je vais vous mettre dans la description. Ah ben je vais tester pour voir un petit peu. Tu vas tester parce que là tu vas vraiment t'éclater sur ça. Peut être sympa. Ah, tu vas vraiment t'éclater. Très addictif. Moins gore mais très addictif. Oui, bah c'est sûr que c'est ça serait pas d'être gore, mais c'est peut être sympa, ce genre de jeu j'aime bien. Ouais, il est vraiment vraiment terrible. Sinon on a tous connu, je pense, les Yeti, les jeux du Yeti. Ouais. Oui. Je pense que ça vous avez connu, tout le monde a pu connaître. Hein, il y a aussi les jeux les jeux point and click qui sont pas mal avec les 3 moutons, je me rappelle plus c'était quoi, et les chips and je me rappelle plus. J'ai pas connu, ça. Ouais, bah il y a 3 moutons en fait qui ont une taille différente avec des capacités différentes. Une petite un tout petit mouton qui pourrait passer dans des petites trappes qui est plus léger que le deuxième qui saute plus haut, qui est mince, et que le dernier qui est gros et lourd, donc ça peut activer des leviers, etc., qui était pas mal du tout aussi. Dans le concept, il y avait aussi les petits jeux flash de management, du genre les jeux de gestion de restaurant où tu fais des pizzas, des sandwichs, etc. Oui, ça c'est... Ça, Facebook en est rempli. Ouais, donc, avec Millionaire City. Millionaire City aussi. À ça, savoir que SimCity version gratuite en Flash existe aussi, donc ouais, il y a pas mal de mais jeux Flash. Il y a un truc qui me saoule. Sur Facebook, à chaque fois, tu reçois 40 invitations. Vous invite à jouer à Maxima House. Vous invite à vous donner du blé. Vous invite à faire du lait. Et à chaque fois, tu reçois plein d'invitations. Et ça, ce qui me saoule, c'est ça. Après, jeux sont sympas, mais d'accord. Tu reçois tout le temps des invitations et t'as une vingtaine de notifications. Là, je suis d'accord. Au final, tu fais bon, quoi. T'as beau être mon pote, je pense que je vais te supprimer de Facebook parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé parce que c'était infinissable, quoi. Là, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais un livre comme ça, t'en reçois à longueur de temps.
Et en plus, tu leur dis, hein, c'est bon, je joue pas, arrête, et ils te continuent à t'envoyer des. Ah ouais, parce que les mecs, en fait, ils mettent tous les contacts, ils envoient, et basta. Quoi. Ouais, ils cherchent pas. Donc, non, mais sinon, pour ce jeu, il y a des trucs sympas. Ouais. Ça, pour ça, c'est vrai, les jeux Flash, c'est ouais, à développer. C'est vrai que c'est à voir. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le jeu, et même ouais. sur plus que le jeu. Que le jeu on ouais. a quand même parlé de nos petits coups de cœur à nous. Isor, j'espère qu'on va se revoir rapidos hein, pour une autre petite vidéo, parce que c'est super sympa. Et je voulais juste dire félicitations vous deux aussi pour vos 1000 abonnés, parce que je pense que vous les méritez largement et c'est pas fini. Et je voulais vraiment vous féliciter parce que j'avais pas eu l'occasion juste par écrit. Et d'ailleurs, on te félicite d'avance de tes 10 000, je pense que ça va arriver très bientôt. Ça arrive très vite. Je suis super content, merci. Et on te préparera peut-être une petite surprise. C'est même sûr. Ah. C'est même sûr, mais on va rien te dire, ce serait pas une surprise. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui. Donc, non, mais franchement, félicitations et d'avance, de toute façon. Et au plaisir. Hein. Et on va pas partir comme ça, on va donner nos notes finales. Moi j'ai mis 25,5 sur 45. Cronk. Moi j'ai mis 25 sur 45. Lézard a mis 9. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc ce qui nous fait 59,5%. Oh, l'équipe. Donc une médaille de quoi? D'argent? Je crois même. Ouais, c'est une médaille d'argent. Ouais. C'est au-dessus de 50%, je crois. Une médaille d'argent, quand même. Ou de bronze. Ça va pour un jeu flash. Bon, c'est correct. C'est pas mal, c'est correct quand même. Donc à tester, après ça vous de vous faire votre avis. Hein. Oui. Vous basez pas non plus sur le nôtre, hein. Nous c'est vraiment c'est très personnel. Donc tout est dans la description, faites-vous plaisir. Voilà. N'hésitez bon, surtout pas. Les amis, je vous fais des bisous. Moi aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'allais dire à la Pokémon. Non, pour de nouvelles vidéos bien évidemment. Sur ces belles paroles. Salut les gars. De toute façon, c'est pas la dernière, on va en refaire d'autres la prochaine fois avec un nouveau jeu. Et je sais pas encore lequel, mais et ça va pas tarder. Un vrai cette fois, un vrai jeu. Hein? Un vrai jeu. Oui. Un jeu PC cette fois-ci, t'inquiète pas. Toujours. Ça marche. Donc, merci de nous avoir suivis pour la vidéo. Et surtout, pour mes abonnés, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Across Gaming qui vous présente pas mal de jeux. Et je pense que ça pourra vous plaire. Voilà, bonne nuit. Et pour les nôtres, puisque on a quand même. 1000 je te remercie pour les 1000. Et bah oui, mais plus, on est quand même bientôt à 1200. Ouais. Ça va ouais, plutôt, ça monte, plutôt c'est vite. Énorme. Ça va vraiment plutôt vite. moi, je vous suggère vraiment d'aller voir la chaîne des Orcs, qui est une très très bonne chaîne. Il y a beaucoup. Enfin, voilà, c'est du jeu, c'est du délire. Et de nous suivre parce qu'on va bientôt sortir encore une nouvelle vidéo. Et ouais. Je l'espère. Oui, donc je te fais un bisou, Ezor. Pareil, je te dis à très bientôt. Un bisou sur la fesse gauche pour Cronk et droite pour Natsu. Ah, nickel. Yes. Bon, allez, bisous les gars. Ouais, et bisous, ciao, ciao, merci, à bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao.